Bienvenue pour suivre nouveau sport ce aujourd'hui. Nous commençons avec une nouvelle nationale. Dans le tennis de table, des joueurs ont quitté le pays aujourd'hui pour Kenya. Côté la base, OTP a représenté Cécile dans le tournoi Top 16. Les deux joueurs sont Godfrey Silton et Christy Bristol. Ils ont été accompagnés par la secrétaire de l'association, Mme Samantha Gray. Il fait la première fois que Cécile participe dans sa compétition Top 16, qui paraît son nom et dit pouvoir participation les 16 meilleurs joueurs femmes et hommes sortis dans sa 5 zone le continent d'Afrique. Là, ces meilleurs joueurs femmes et hommes, Christy Bristol et Godfrey Sultan, qui pourra défendre le pavillon Cécile. Nous avons besoin du maximum qui nous capable. Nous pouvons jouer avec nos collègues qui nous ont. Pour la Top 16, nous pouvons try nos best qui nous capable. Je suis un petit peu slow et c'est moi qui mettre tout ensemble, nous essayer d'organiser nous tout ensemble pour essayer préparer pour sa compétition. Sa compétition pour déroule entre les 1er à 3 mars et il faudrait faire qualification pour participer. Dans zone 5, c'est Maurice qui est qualifié et le fait que Christy Bristol et Godfrey Sultan ont fini rythme dans le tournoi de la Coupe d'Afrique qui a fait à Gadi Maroc en zin l'année passée. Ça y fait qu'ils ont qualifié pour participer. Les deux joueurs sont familiers avec les autres opposants et là, ils ont dit qu'ils n'ont pas la tasse facile devant les autres. On a à peu près 6-7 joueurs qui pèsent professionnels, classés mondial. Ils sont très difficiles. On dit ça contre les autres niveaux. Ouais. Seulement, on a essayé de mettre tout ensemble, ça que nous faisons, ça que nous pratiquons. On a essayé de mettre tout ensemble, on a essayé de nous bien. Vicky, avant nous opposer à la base, des appels professionnels, donc on va try nos best pour gagner bon ranking le côté d'Afrique pour Cécile. Juste pour noter que dans la Coupe d'Afrique l'année passée, Godfrey Sultan arrive jusqu'à la finale et déjà là, il met sa target pour son en compétition. Si mon chéri nous passe le premier round, il est pour déjà achievé maintenant parce qu'on va prendre un point 4 et 5 joueurs de poule. Il va y avoir des joueurs aussi professionnels même qui là. Pour passer, pour nous battre à bon joueur, il peut déjà un gros achievement pour moi. Je vais avoir un autre niveau de joueur, je vais quand tu es plus haut qu'un autre niveau. Godfrey Christie pour plus tard, Salonnet représente Cécile dans le Commonwealth, l'Australie, et tu peux prendre sa compétition Top 16 comme en préparation pour sa jouer. C'est la secrétaire d'association tennis d'étape Cécile, Mme Samantha Aglaé, qui peut accompagner les deux joueurs là-bas à Kenya. Et dans le volleyball, pour continuer, la compétition KVB Zone 7 est officiellement démarrée ce samedi côté Palais des Sports. Champion Cécile, Swim Blue Pal, peut faire votre première participation de sa compétition qui regroupe ben l'équipe sortie Maurice, Madagascar, Mayotte et Cécile. L'équipe Swim Blue est regroupée samedi beau matin côté Palais des Sports dans une autre session d'entraînement qui tombe dans le cadre de préparation compétition KVB Zone 7 l'Afrique. Tout de suite, conseil de manager Iguaro, il n'est pas capable de gagner toujours coup de session l'entraînement. Jean-François a été désappointé avec l'entraînement à cause de toutes les semaines, nous avons manqué de clés dans l'équipe. Par exemple, beau matin, là, trois moments et premier six pour arriver. Et il y a des avantages pour nous. D'après manager Waro, sa problème joué, pas capable de venir suivre une session d'entraînement. Il y en a pour faire avec release, avec un autre travail. L'entraînement n'a pas mal allé, mais seulement juste, on connaît un bon moment où il travaille. Et présent, on n'a pas gagné release sur le travail. So, nous avons besoin de faire avec. Nous n'avons pas forcer quand même. Nous essayons d'avancer devant, nous essayons de demander l'autorité pour essayer d'aider, mais nous n'avons pas capable d'aider. Pour l'équipe Swim Blue, vous avez pu le faire, vous avez première participation dans la compétition KVB Zone 7 qui est officiellement lancée samedi le 3 mars côté Palais des Sports. Vous n'avez pas aucun craintif concernant votre expectation de sa compétition à cause de la plupart de Swim Blue. Il a déjà en assez l'expérience d'être la compétition volleyball. Swim Blue, il y a un nom. Mais toi, quand bon joueur Swim Blue, il sorti dans Spikers, un beau ballon. On croit que c'est bon joueur expérience. Et seulement, nous perdons tout ça qui nous capable pour nous faire bien. En effet, priorité, sa Champion League Cécile en 2017, il simplement fait si qui volleyball cécilois, pas juste gagne représenté dans sa compétition, mais aussi emmène résultat. Nous pouvons taper tout pour qu'il s'améliore, Cécile. Ça, nous vision.
pour Banzoué, pareil, il y a Ian Fino, Gilly Bijou, Perrin Sofola, Benjamin Bijou, Daniel Lozaïque. Compétition KVB Zone 7, pas mérite et concerne pour les autres. À cause de sa qualité de joueur, qui est toujours là avec l'équipe Beauvalon de telle compétition, côté de temps en temps, Zotine quitte Zotbac. Alors, là, il est important qu'il s'abonne à jouer, il fait une différence dans l'équipe Swimblow. Mais pour ça, l'équipe, Zotine a un joueur étranger, Yuri, et aussi un promettant Jean-Philippe Vidot. Compétition KVB Zone 7, il est simplement l'expérience pour eux parce que j'ai pu le faire, j'ai eu première participation de telle compétition. Pour commencement, nous avons choqué. Allez. Jusqu'à là, nous avons pris le milieu de nous jouer et nous avons aller pour nous guider que nous avons fait pour cette compétition. Sur l'ensemble de la préparation, on s'est préparé bien jusqu'à maintenant. On a eu un bon groupe qui a vraiment donné de sacrifices pour pouvoir arriver là où on est aujourd'hui. J'espère que notre préparation elle est bonne. On attend maintenant le soutien de l'extérieur pour pouvoir nous pousser dans la compétition. Pour Swimblow capable de passer dans sa compétition et donner une autre meilleure performance dans notre première participation dans KVB Zone 7. Il y a l'autre très important qui bonne contre le volleyball et aussi qui apprécie sa joie. Il y a même un autre soutien. En effet, tous ces lois sont ralliés derrière l'équipe locale qui pour sa compétition. Et pour Swimblow, il faudrait dire qu'en 2017, l'autre est incontestable dans le volleyball. C'est ces lois. Tellement pour moi, il y a une première expérience pour sa première championne. Plus qui là. Et maintenant, c'est aller là, on a des équipes qui nous permettent de nous bien chasser. Mais tu me veux un côté, qui est sale équipe, parce que tu me suis là, viens supporter sale équipe qui n'a pas fait bien. Et bonne frustration pour nous faire toute sa médaille de chasser. Bien sûr. Encore que c'est chez nous, on est obligé d'aller jusqu'au bout, remporter ce trophée. Et puis voilà, ça va faire plaisir au peuple de chez nous. Déjà, trois équipes sorties Mayotte Infini arrivent de pays pour compétition KVB Zone 7 qui commençait ce samedi. Athlétique dans sa Eco-Friendly Marathon qui t'y fait dimanche, tient dans 7 catégories de 5 km pour bonnes hommes et femmes. Justement, pour catégorie en bas 35 ans, Grand Vainquet David Bonne et Paula Caridis. Compétition 7 km tient intéressant si tout bon parcours de catégorie senior, de catégorie en bas 35 ans, après 19 minutes 40 secondes, c'est athlète SPDF David Bonne qui finit premier par devant Richard Ocheno, qui est finition assez serré. Le temps Ocheno qui seulement 4 secondes en retard. Troisième place qui pour Eduyen choisi. Le côté femme en bas à 35 ans, Paula Caridis, qui vainquait de 26 minutes 42 secondes, par devant Nadika Pia et Shina Kat, qui troisième. De catégorie Master Zom, 35 à 49 ans, vainquait Joseph M. Moka dans 21 minutes 31 secondes, et qui finit devant Denis Bambosch et troisième, qui François Jérémy. Toujours même catégorie pour bonne femme, cette fois-ci, grand vainquait Carole Palmi. Dans 27 minutes 21 secondes, Maria Lacorte qui 3 secondes en retard pour garantir deuxième position, Linda Fremino qui 3e. De catégorie 5 km bas 12 ans pour un garçon, Macron Bristol Sissoko qui vainquait de 22 minutes 58 secondes. Deuxième, Sheldon Benoiton et 3e, Gaël Denis. Le côté bonne fille en bas 12 ans, Stacy Antoine qui tape tout pour les finir champion de 21 minutes 06 secondes. Et Lihansa Jaya Tilake, qui est deuxième, un petit peu plus qui 24 minutes qui sont arrivés. Et troisième, qui est Julia. Bonne zen, qui peut taper tout dans sa Eco-Friendly Marathon, dans la catégorie 5 km en bas 14 ans. Aussi, qui est intéressant, garçon Shakib Rose, sorti Plaisance Athletic Club, qui vainquait de 22 minutes 34 secondes. En fait, bon athlète, sa club, qui domine bonne position, le podium. Parce qu'il deuxième place, qui peut aussi un autre athlète, Francesco Joubert, et Shaquille Songoir, qui troisième. Entre temps, pour bonne fille en bas 14 ans, Vekert et Christina Ferley de 26 minutes 57 secondes et qui battent Maya Gedosev et Chloé Joubert. Après, à 18 ans, 5 km pour un garçon, Harrison Henriette sorti pour le Shooting Star qui remporté de 19 minutes 54 secondes, deuxième Modjugo Telemark 20 minutes et troisième Caleb Badibello.
catégorie pour une fille en bas 18 ans, Valérie Bustol, sorti Independent School, qui termine de 18 minutes 51 secondes pour lui battre Daniel Ferley, sorti École française, qui est deuxième, et Shannon Joanneau, sorti Top Racers, qui est troisième. 5 km Master, 50 à 64 ans pour bonnes hommes, Jerry Lega, qui est champion de 25 minutes 08 secondes, et Roy Collin, sorti IoT, qui est deuxième. Troisième place, qui est garantie par Emmanuel Fremino. Tandis qu'il forme Cynthia L'Espérance, qui vainquait de 34 minutes 10 secondes, après Bennett Léon, qui est deuxième de 34 minutes 56 secondes, Irene Moses, qui prend troisième position. Compétition pour plus que 65 ans, Benzom, Selwyn Medoy, qui finit de 34 minutes 34 secondes pour remporter sa catégorie. Il bat Arnold Antao et Philippe Chongseng. Et après ça, pour femme, Agnès Chongseng, qui remporté de 48 minutes 43 secondes. Et deuxième place, pour Céline Sora, tandis que troisième, qui Noëlla Chamlaï. Eh bien, athlétique et dernier 6e dans la nouvelle. C'est là que je vais faire la fin de ce poste pour aujourd'hui. Merci pour qui nous suivent.